Bonjour, bonsoir frère, bonsoir sœur, amis combattants pour le ciel, moi, comment nous y avec Jésus? Comment journée nous passée? Comment journée sabbat nous passée? Et comment nous y est? Ah, soyez, c'est un plaisir pour nous capables d'étudier ensemble avec vous, pour ça nous capables d'y matin en tout, c'est un plaisir pour nous capables d'étudier avant parce que nous ne pas connaître à qui l'œuvre vraiment que vous-même ou à étudier le son. Hein? Donc, n'importe là que l'État capable, nous-mêmes, nous venions un plaisir énorme pour nous capables ensemble avec vous, venir étudier le son et quoi ça va. Comme on compte toujours, c'est non, frère, là, Théodore Ariel, qui est toujours prêt pour étudier le son et quoi ça va avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est samedi 27, malheureusement, nous écrit et samedi 28, la précipité, c'est samedi 27, donc. Petite leçon, nous allons étudier, c'est quelques excuses pour échapper à la mission. Quelques excuses pour échapper à la mission. Avant que nous entrions dans le son, hein, on nous fait comme d'habitude, on nous prie. Oh mon Dieu, je cherche ta face. Aux clartés de l'aube du jour, je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Je cherche ta paix et ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Ô mon Dieu, bénis mes pensées, mes paroles et mes travaux. Qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Éternel des armées, nous disons merci pour la possibilité au bas nous pour nous capables venir étudier le son. Seigneur, nous demandons pour faire nos grâces, pour épargner de tout ça qui est mal, pour permettre que le son étudié peut pour attendre et mettre en pratique. Épargne de tout ça qui mal, gain pitié pour nous croire en vous, nous compter sur vous. Merci pour l'amour, merci patience, merci miséricorde. Merci pour tout. Seigneur, exaucez-nous du haut des cieux et prends bien soin de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, aujourd'hui, c'est samedi 27. Malheureusement, j'en ai dit là, on écrit samedi 28, donc j'espère que vous comprenez, non? Leçon à étudier, c'est quelques excuses pour échapper à la mission. Quelques excuses. Pas oublier dans la leçon, nous sautons étudier et jour qui passe, yo. Nous sautons comment mission que bon Dieu accorde à nous. Nous sautons partager mission ça. Donc, on y a même. Dans toute bagaille, et je te dis, nous souhaitons que Dieu nous appelle à la mission. Quatrième leçon, nous souhaitons partager la mission. Maintenant, nous allons voir quelques excuses. C'est-à-dire des séries d'appels qui fait et nous n'avons pas fait ça. Bon Dieu dit, il y a pas excuse pour parler dans la mission. Bon Dieu dit. Esaïe 6, verset 8, c'est verset à mémoriser que nous avons lu pour que nous avons demandé pour étudier pour qu'on ait au cours de ce maintenant. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui irai-je pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Parole ça, il était prononcé par Esaïe. Ok, après tout ça, Esaïe était, ouais. Esaïe était des paroles, bon Dieu qui dit, qui est-ce que je suis capable de voir à le prêcher par là? Qui est-ce que je suis capable de voir? Esaïe, j'ai fait mes répondre, me voici, Seigneur, envoie-moi. Donc, les mêmes étaient points positifs. Eh bien, tout le monde que bon Dieu lui-même lui est dans la mission, il n'a pas fait même bagaille. Exemple, Abraham lui-même, il était allé dans la mission. Bon Dieu était relé, il était quitté Kaïli, il était allé. Mais,
Nous parlons de Jonas. Jonas lui-même, c'est un exemple de monde que bon Dieu t'a été relé pour aller dans la mission, pour aller prêcher l'évangile pour lui. Bon Dieu t'a relé Jonas pour lui être capable, pour lui être capable d'aller prophétiser contre Ninive. Pour lui dire à Ninive, viens, Ninive, viens, mais ça qui va aller passer. Ninive, c'est capitale à Syrie. Ville ça lui-même est située aujourd'hui dans l'Irak. Côté que l'y trouvé li à 9000 km de Jérusalem. C'est-à-dire, dans un bon mois de voyage. Appel la lancé à Jonas pour lui t'aller prêcher à Ninive. Qui ça qui t'est venu passer? Jonas, non seulement Jonas t'est refusé aller, mais l'y t'est couru. Là caché l'aller dans l'autre direction opposée à direction l'Éternel là. Jonas fait un bagage qui t'a pas été intelligent, mais malheureusement il pas intelligent ça pour jouer avec bon Dieu. Bon Dieu voulait la Ninive, Jonas choisi pour l'aller dans l'autre zone où il était assis pour que lui fait même travail bon Dieu, il prêcher l'évangile, mais c'est pas dans zone côté bon Dieu voulait là. Au cours de semaine on va voir zone ça comment il était. Qui ça qui fait Jonas si même n'est pas allé? Les Jonas est arrivé Jaffa, il était acheté un billet pour Tassi, sud de l'Espagne, qui est Jodia, dans zone, et Tassi assis dans le sud Espagne. Suivant sa météo, tu fait. Voyage ça lui-même, il t'a duré 3 kilomètres. Qui t'a nécessité au moins un mois. Jonas, dans la façon que il t'a refusé affronter Wada Syria, t'a employé un mois que ça lui-même capable arriver pour capable arriver à Ninive. Au contraire, pour lui capable éloigner. Elle dit, Jonas, il y a un mois pour l'aller. Jonas, tu as fait plus. Parce que si bon Dieu voulait prophétiser, il t'a pire, mais que ville l'a crasé. Au lieu que mon yo même yo a repenti. Donc, lui-même, il t'a fait plus que un mois. Non, ça, bon Dieu, bali pour que lui-même y a le faire. Pourtant, bon Dieu, t'a relé Jonas pour lui t'aller à Ninive. Pour lui t'as crié contre grande méchanceté que tu as fait. Moi ça yo qui bail là yo très proche de appel que l'Éternel t'a fait à Abraham au sujet l'Éternel t'a parlé détruit Sodome et Gomorre. L'Éternel dit à Abraham va le détruire. Abraham t'a questionné. Mais Jonas lui-même, l'Éternel t'a voué pour la dire qui t'es méchanceté pour moi capable de sauver la ville depuis nous tous nous repentis. Et bien, comme nous, Eli, cependant, Jonas lui-même, il n'a pas fait de quoi Abraham. Il n'a pas levé pour l'Italie dans l'autre zone, il était choisi pour l'Italie dans la zone pâle. Et au cours de semaine, non, nous va gagner pour nous excuses, nos excuses, qui c'est parfois nous dit c'est peur. Deuxième jour, lundi, nos excuses de fausse conception. Troisième jour, qui c'est mardi, n'avons nos excuses trop de tracas. Quatrième mercredi, nos excuses des confrontations pénibles. Et jeudi, me voici, envoie-moi. C'est toute leçon ça yo que nous gagnons pour nous débattre au cours de semaine. Et demain, nous allons nos excuses, la peur. Donc la peur que Jonas lui-même assurément l'était gagné. Donc pour Jodia, c'était partie centrale là qui t'a bon briefing de premier appel qui t'est fait là. Donc nous disons merci pour le son t'a suivi avec nous pour partager avec frère avec sœur que bon Dieu capable bénir frère Théodore, il était content avec nous. Nous disons merci parce qu'on fait nous grâce, aider nous à étudier le son Jodia, partager avec frère nous. Aider nos seigneurs pour nous comme Jonas rebelle, mais pour nous capables de suivre
marcher et avancer avant. Fais-nous grâce, Seigneur, nous croyons en nous, nous comptons sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci frère, merci sœur, que bon Dieu capable ensemble avec nous.